Merci pour le speed deck. Non. Ah, tu l'as fait quoi, mais ça s'appuie. Putain, les lasagnes elles font péter de ouf, c'est un truc de balade. C'est pas ma faute. Hein. Bon fou, mais ce qui. Ça fait chier parce que. On les entend pas. Bah oui, c'est le cas de le dire. Pas que tu t'infectes toi-même, moi je m'en fous. Je veux les entendre, tes proutes. Tu peux profiter de l'auditoire, un petit peu. L'auditoire. Arrête de péter que pour ta com. Ouais, certes, c'est toi qui sors, mais. Bah oui, c'est moi qui sors, Bernard. Ce serait drôle, tu vois. Tu t'affiches une douleur. Physique, t'es tout seul, mais même sans ta propre intelligence. Ouais. Moi, quand je pète, je suis même content. C'est drôle. Alors, en même temps, ton micro, tu te le fourres dans le cul, alors, hein. J'avais même entendu normal, mais... C'est normal que tout le monde les entend. Et pas pour ton micro dans ton cul. Et je te dis... Non. Tu dois être un mec ici. Oui, ben non. Il va autant de côté prout que quand on est en VR, c'est ça? Moi j'aime léger. Attends. Attends, j'arrive pas. Attends, je suis sûr. Si, du coup. J'étais pas prêt. C'est où? Qu'est-ce qui m'a sorti là? Vampire. Ah. Putain, j'en peux plus. Ah putain, je transpire. Ah, je suis encore mon pied. Ah putain, j'ai mal le mille. Putain, moi aussi. Ah putain de merde. Ah. Ah merde, j'ai plus de balles. T'as pu lâcher dans le prout. J'ai oublié. Oh putain. Peut-être, ouais. Moi, je vais faire pisser ma grosse bite. Tu ne vas pas pisser ta grosse bite, alors. C'est déjà le micro, il m'entend, c'est cool. T'entends suffisamment pour que tu dises des conneries, alors... Oui, mais c'est pour ça qu'on a une chaîne YouTube, non? C'est ça le projet au départ. C'est facile pour nous, on est tout le temps en train de dire des conneries. C'est sûr que c'est du contenu facile. En vrai, c'est tellement une idée logique que je comprends même pas pourquoi on n'y avait pas pensé avant. Parce que t'es con et tu prends jamais de décision. Ouais, t'en as mis du temps à te décider aussi, hein. Moi... En vrai, je trouve que c'est la meilleure décision que t'aies prise, et que moi j'ai dit oui, donc c'est la meilleure décision que j'ai prise aussi. Mais pour ça, et ouais, que c'est vrai que c'est bien. Tu vois ta vidéo, je sais pas, démerde-toi. Non, tu m'as dit YouTube, tu te démerdes.
Et comme tout le monde. Attends, il m'en faut combien parce que j'ai Oui, pas si je combien t'explique tout, tu vas faire. Eh, mais je comprends rien! de toute façon, tu crois vraiment que j'avais compris quelque chose, moi, au tout début? Même si c'était inutile. Non, je m'en bats les couilles, t'as pris par toi-même. Bah ça, oui, pour avoir pris par moi-même. J'ai galéré, tu dis pas. Surtout avec un musée de montage éclaté. T'as quand même une façon d'apprendre aux gens à faire des trucs. Je peur tes enfants. Le parent fait comment du vélo? Tu prends ton vélo, tu mets ton cul sur la selle et t'avances. Tu fais pas chier. Va sur YouTube. C'est ton papa qui est là, machin, qui surprotège son enfant, qui le tient, qui met des roulettes sur le vélo. Toi, ton enfant, t'arrives, tu fais. Bon, allez, avance, grosse merde. Oh, fais comment? Tu Attends, je vais tombes, c'est t'aider, pas grave, c'est que t'es nul à chier. je vais t'aider, je vais te pousser. Paf, un gros coup de pied dans le cul. Allez, avance. Et je vais le filmer, sa chute sera sur YouTube. Allez hop, bats les couilles. Et tu vois ça, mon fils? C'était toi il y a 10 ans! Tu étais une grosse merde de vélo! Ouais. Je suis toi tes futurs enfants. Enfin, si un jour il y a une Ah autre bah, maman je le qui plains comme aussi tu parce m'en que je passes. sais que tu feras pareil. Oui, mais moi je sais d'avance. Bah, moi aussi, je sais d'avance. Mais pas eux. Mais pas eux, ouais. Eux, c'est la surprise. Mais t'imagines, toi, tu apprends ton enfant quand tu vieux dans la rue, et là tu lui dis, allez, pédale, pédale! Et on va croire que t'es homophobe ou pas? C'est une excellente question que je laisserai nos abonnés répondre dans les espaces commentaires. Et la dernière fois, bon, ma soeur a pas réussi à Le débat est ouvert. ma soeur a pas réussi à répondre à cette question. Bon, après, je vais continuer, mais on va voir si toi tu as réussi à répondre. Tu vois un PD sur un poteau roulant électrique. Est-ce qu'on peut dire que c'est une tapette électrique? Moi, j'ai pas à trouver quelqu'un qui répond à ma question. J'étais prêt à toutes les questions possibles de la Terre, mais sauf celle-là. Il ouais, y a personne qui va répondre à mes questions. En vrai, je valide de ouf. Merde, t'as refait mon après. Oh. Une tapette électrique. Et à quel moment tu t'es dit, tiens, je vais poser cette question existentielle dans ma tête? Non, moi ça va mettre ça dans ma tête. Tu crois que je vais me poser des D'accord, questions bon, comme ça? ouais. Bah, je sais pas, vu que t'es con et oui. Einstein et tout ça, machin, sûrement qui se posait des questions sur la loi de la relativité, tout ça, enfin, comme ça, étonnant. Chargement FSD en cours. Ouais, malheureusement, il y a toi, quoi. Pendant des questions con peut-être des jeunes idées. C'est comme ça en vrai, les scientifiques qui se posent des questions cons, ils sont en mode ah ouais, faut vérifier, et pas les scientifiques. Alors, je suis d'accord, hein, mais un PD sur un fauteuil roulant, une tapette électrique, excuse-moi, hein, mais est-ce que ça va faire avancer le monde? Non, mais une question, est-ce que ton pupitre a changé? Ah, personne n'a jamais essayé ça, en tout cas à ma connaissance. Oui,
Et bah, si jamais un jour tu décides de faire des glaçons de pisse, écoute, c'est toi qui vois, mais moi, je n'y participerai pas. Parce que, en vrai, qui a déjà été... Bon, je sais pas si c'est assez intelligent ou assez con pour faire ça. Tu vas glacer dans ton whisky. Mais non, mais je te dis pas de faire des glaçons de pisse, je te demande juste, est-ce que la pisse, ça peut se congeler? Parce que je sais que l'alcool, ça peut pas. Alors, est-ce que ta pisse, ça se congèle? Et si oui, est-ce que ton pipi, quand t'es alcoolisé, il se congèle? Ah ah! Bah, tu sais quoi? Ces deux questions, t'y répondras tout seul, mon gars. Non, c'était dégueulasse. Bien que, bah, je te demande pas de me filmer quand je pisse, mais de filmer l'expérience. Non, tu prends une GoPro, tu la fous sur ta tête, tu te démerdes. Je vais pas faire le caméraman. Je prends ma GoPro, tu feras caméraman tout seul, tu monteras, comme ça je ne veux pas voir. Je te demande pas de filmer là. Je veux juste des résultats, c'est tout. Ah, tu vois, t'es curieux. C'est vrai que sur YouTube, je vois un titre de vidéo. Est-ce que le pipi se congèle? C'est ce que j'ai entendu tant dans ma tête. Ça m'a fait un beau titre de vidéo. Bon, bah, on va laisser nos abonnés déjà en premier lieu répondre à cette question existentielle. Hein, et tu feras ton expérience pendant les vacances. Hein, mais je ne veux pas voir.